Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Ça fait plaisir de vous retrouver. Et ben, on peut dire qu'on a passé une bonne soirée encore ce soir devant Koh-Lanta. Il s'est passé pas mal de choses. On a eu des abandons, on a eu de l'émotion, on a eu des bons jeux. On a eu un switch un petit peu inattendu, donc voilà, des éléments plutôt sympas qu'on va débriefer ce soir avec notre petite équipe, puisque ce soir on se retrouve un petit peu en famille, on va être avec la fourmi du net, avec Maxime et avec Anto. Anto et la fourmi du net qui sont là tous les deux, on va attendre Maxime qui va pas tarder. Moi j'ai passé une assez bonne soirée, je sais pas vous. Ouais, pareil. Ouais. Je vais pas spoiler la note, mais écoute, moi j'ai plutôt apprécié, ouais. Bah, ouais. Alors c'est marrant parce que justement dans le chat c'est assez partagé ce soir. Il y en a qui n'ont pas aimé du tout a priori, il y en a qui disent que ça a été un épisode éclaté. Moi personnellement j'ai trouvé ça plutôt bon. On a eu un switch au début que j'ai trouvé quand même bien sympa. On a eu l'abandon de Franck pour des raisons qui ne concernent que lui. Des raisons que j'ai eu un compte. Et que j'ai pas vraiment compris encore. Et on a perdu Mathéo, hein. Et on a perdu Mathéo, ouais. Justement, tiens, Anto, t'étais pas là la semaine dernière. T'en pensais quoi de Mathéo sur le premier épisode, du coup? Bah, écoute, forcément, il a tiré beaucoup de sympathie de par le fait qu'il ait été choisi en dernier. Je frise encore sur ton live, c'est incroyable. Ouais, c'est... J'ai eu la chance de pouvoir échanger avec lui un peu sur Instagram et c'est une crème, quoi. Il est adorable. Donc. Tout ouais, à fait. J'aimais beaucoup le garçon, quoi. C'est vrai que Mathéo a été très sympa parce qu'il fait partie des premiers aventuriers de cette saison à avoir partagé nos parodies et nos vidéos, donc un grand merci à lui. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Alors comme je racontais un petit peu à la fourmi du net et à Anto, ce soir c'est très partagé sur le chat. Nous je pense qu'on est tous assez emballés par ce qu'on a vu, mais il y en a qui n'ont pas vraiment aimé et qui ont même trouvé que l'épisode était assez éclaté. Perso, moi je suis un petit peu là pour le défendre parce que j'ai trouvé que c'était quand même bien. Le switch du début, ça on peut en parler parce que c'était un truc complètement inattendu. Et même je crois que c'est la première fois dans Koh-Lanta qu'on voit ça. Oui, il me semble. De quoi ? Le switch. Alors première fois, je sais, j'ai pas assez de mémoire. Ah non, on a déjà eu des candidats qui échangent d'équipe, par exemple, c'est déjà arrivé. Non mais un échange entre deux équipes comme ça. Où tu choisis comme ça, qui s'en va et qui. Ah ouais. Ah, ouais, c'est déjà arrivé. Alors peut-être pas exactement de la même façon, par contre c'est pas exactement de la même manière, mais on a déjà eu des propositions comme ça de candidats qui pouvaient quitter une équipe pour aller dans une autre, etc. Alors par contre c'est souvent pas comme ça, c'est-à-dire que souvent c'est l'équipe d'en face choisit quelqu'un et toi tu choisis quelqu'un. C'est-à-dire que c'est pas fait de cette manière-là. Là c'était vraiment dû à une genre comme une punition enfin ou un bonus. C'est soit pour une magouille de la prod pour relancer les équipes par exemple, soit ça peut être une gain de confort par exemple. Mais alors pour le coup, vous avez ressenti ça vraiment comme un avantage de pouvoir switcher ou pas? Ah oui. Ça, bah, oui. Dans l'idée, ouais. Alors oui, et je comprends après sur le coup, d'ailleurs quelqu'un l'a dit sur Twitter, qu'on se dit « Ah, c'est pas vraiment un avantage d'avoir à virer quelqu'un de son équipe. » Et t'as quand même le luxe de pouvoir sortir quelqu'un a priori de faible et de te renforcer avec un élément a priori fort. Après, est-ce qu'ils ont fait le bon choix? Ça, on peut en discuter. Moi, je serais pas parti sur Ambre, mais je serais plus parti sur une Luana qui avait quand même l'air... peut-être un peu plus performante. Ou un François, carrément, tu prends l'armoire, hein, sinon je vois pas pourquoi il faut se gêner. Mais oui, pour moi, c'est clairement un avantage. Au niveau des épreuves, donc on a eu la première là avec les toits et qui étaient en pente. Celle-là, moi, j'ai trouvé vraiment très très sympa et j'ai adoré visuellement, c'était sympa. Et puis, il y a eu la surprise, je sais plus c'est qui, c'est les verts, il y a les quatre qui sont tombés et ça, c'était assez complètement inattendu sur la fin. Et par contre, la deuxième épreuve, c'était un peu plus bordélique, honnêtement. Visuellement, j'ai trouvé que ça passé moins bien et heureusement que Denis a dit ah mais attendez parce qu'il y a pas il aurait rien dit et franchement pour moi c'est pas assez crème, c'est bon, vous avez gagné, c'est plié. Voilà, allez-y, tout le monde rentre chez soi. Donc voilà, moi j'ai juste ce petit reproche sur la deuxième épreuve qui était pas très clair visuellement. Et bon bah j'ai subi le truc mais sans plus, alors que la première était très très sympa. La fourmi du net, écoute, donne-nous un petit peu tes réactions à chaud par rapport à l'épisode de ce soir. Qu'est-ce que tu as le plus aimé et qu'est-ce que du coup tu as le moins aimé dans ce qu'on vient de voir? Bah, niveau point négatif, j'en ai pas tellement à souligner, étonnamment. Non, franchement, ça c'était un bon épisode. Je l'ai même préféré au premier, du coup. Ouais. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Bah, le changement d'équipe, les épreuves que j'ai trouvées très bien. La première était très très bien. D'ailleurs, la deuxième, je sais pas si elle est nouvelle ou
C'est juste moi qui l'avais jamais vu. Ok, ouais. Parce que le tourniquet, ça, j'avais jamais vu. Très bon épisode. Je suis très contente. Bon, Mathéo, hein, dommage pour la perte. J'aurais préféré que ce soit Stéphanie. Moi, j'étais pas la semaine dernière, mais j'avais plutôt pas mal aimé l'épisode. Je dirais, comme la fourmi, que celui-ci était un petit peu au-dessus. Notamment grâce au switch qui, moi, m'a beaucoup plu. J'ai noté un peu, comme toi, que la deuxième épreuve... En fait, sur le papier, tu te dis, ouais, ça a l'air cool, une espèce de course avec un puzzle tourniquet, mais visuellement, ça rendait pas. Ça a fait un peu un flop. La première épreuve était stylée à regarder. Il y a eu l'abandon, il y a eu le feu, il y a eu Mathéo qui sort, qui est quand même un personnage, si ce n'est le personnage le plus aimé en ce début de saison. Donc pour moi, il y avait des vraies séquences dans cet épisode. Donc pour moi, c'était plutôt un bon épisode. Ouais. Tiens, s'il y a des gens qui n'ont pas aimé l'épisode et qui veulent s'exprimer dans le débrief, mettez-vous sur le Discord. Vous pourrez vous exprimer en direct avec nous et nous dire pourquoi vous n'avez pas aimé cet épisode. Bonsoir Zed. Ah, bonsoir tout le monde. Zed, dis-nous pourquoi tu n'as pas aimé l'épisode de ce soir. Je vais peut-être être un peu méchant et je m'en excuse, c'est la bêtise. C'est-à-dire, on a une bourde de la part de Ambre, qui fait littéralement perdre les violets. Mathéo qui pleure parce que le feu est éteint. Mathéo qui pleure parce qu'ils ont perdu. Ils ont gagné des trucs, ils ont réussi à avoir du feu. Le feu, ça se refait. Et c'est ça, moi, j'avais plus envie de hurler sur les candidats qu'autre chose. C'est pour ça, je l'ai trouvé moyen. Je sais pas si on peut dire les notes qu'on a mis sur le sondage. Moi, j'ai mis 6 parce que globalement, il est pas mal, mais les candidats m'ont fait hurler. Il y a des candidats qui m'ont fait hurler. Voilà. Excuse-moi, je rebondis juste sur un truc que t'as dit, mais pour moi, ce que je disais juste avant, ça renforce l'épisode. L'oubli de Ambre, je suis d'accord avec toi que c'est une erreur archi bête et archi grave, mais si elle la fait pas, l'épreuve, elle est inintéressante. L'épreuve est stylée parce qu'il y a ce retournement de situation à la fin. Moi, j'étais pas pour les verts, parce que je vais vous le dire, Jean-Philippe, c'est personnellement le candidat qui me plaît le moins. Ah bon ? Je sais pas ce que vous en pensez de Jean-Philippe. Qui déjà Jean-Philippe ? C'est le mec des verts, c'est un vrai perso, c'est un personnage. C'est le plus fort, je suis le plus fort. Et il ne gagne que parce que Ambre, qui est une ancienne verte, fait cette bourde. Mmh. On a demandé si en fait elle avait fait pas exprès pour... Mais c'est ça qui est génial. Voilà, c'est un agent infiltré des... pourquoi pas. Oui, bah écoute, merci d'avoir réagi, Zed, et puis je vois qu'il y en a d'autres qui se sont inscrits, donc je vais donner la parole à d'autres personnes. Vas-y, alors tant que fait, tu n'as pas aimé l'épisode de ce soir, dis-nous pourquoi. Ok, alors donc je disais que l'épisode, en général, je l'ai aimé, sauf que, oui, c'est comme disait la personne juste avant moi, c'est plus les personnages, en fait, qui m'ont posé problème. Par exemple, surtout l'élimination de Mathéo. Il a fait gagner le confort à leur équipe, et je trouve ça un peu bizarre qu'il l'ait éliminé, parce qu'il est sensible. Ce genre de personnes, il faut les approcher, en fait. Pour toi, Faye, c'est surtout un problème au niveau des aventuriers, c'est ça qui te... Oui, qui te et puis il y a aussi l'équipe bleue, on ne les voit pas beaucoup, mais ils gagnent les immunités, c'est incroyable. Dans l'épisode prochain, dans les épisodes prochains, peut-être qu'on va plus les voir. Mais... Ouais, c'est le problème quand il y a 3 équipes, c'est que... L'équipe qui ne va pas au conseil, on ne la voit pas. Voilà, c'est ça, toujours le cas. Quand ils sont que 2, ils font quand même un effort, tu vois. Parce qu'il y a 2 équipes, donc ils font un effort pour montrer celle qui va au conseil, mais l'autre, il le donne du temps. Mmh. Mais là, il y en a 3, s'il y en a une qui a rien à voir avec le conseil, allez hop. Ouais. Ok, écoute, Faye, merci d'être intervenu. Bon, les amis, il est l'heure de mettre une note, donc. Allez, écoute, la fourmi du net, quelle note tu mettrais à l'épisode de ce soir? Je crois que la semaine dernière, tu avais mis un 7, hein? Ouais, exact. Ouais. J'ai mis un 9 sur ton sondage. Oh, très belle note. Anto. Il me semble avoir mis 8 sur le sondage, et j'aurais peut-être mis un 7 la semaine dernière, donc on est à peu près dans le même niveau. Ok, et toi Max? J'ai une tendance à Alzheimer, je sais pas qu'est-ce que j'ai mis la semaine dernière. T'avais mis 8, tu avais enlevé 2 points, je me rappelle, pour la première épreuve que t'avais pas aimé. Voilà. Oui, tu sais quoi, je vais refaire pareil, parce que j'allais redire 8 et je vais enlever 2 points pour l'épreuve que j'ai moins aimée, la deuxième qui était moins réussie. Okay. Même si elle avait un rebondissement, mais elle était moins réussie. Et moi je me rappelle que j'avais mis un 10. Mais bon, parce que ça partait vraiment en fanfare et je... Ah. Et c'était bien, ça me faisait un peu oublier la saison dernière qui était vraiment catastrophique, donc c'était cool, j'étais content. Bon, on va regarder le sondage. Et du coup, c'était quoi ta note, David ? 7 pour l'épisode de ce soir, voilà.
Parce que j'ai pas accroché sur la deuxième épreuve, tout simplement. Mais après, bon épisode, hein, franchement, bien sympa, plein de trucs pour les parodies, hein, franchement. D'ailleurs, merci. Petit mot, petite parenthèse par rapport aux parodies. Mais j'avais très peur, très honnêtement, en partant sur cette saison, qu'on se retrouve un peu dans une ambiance un peu pourrie comme on avait sur la fin de la dernière, où en fait, dans les commentaires, on se retrouvait beaucoup avec du Uber Eats et compagnie, des trucs très très lourdingues. Et j'avais un peu peur qu'on reparte là-dessus. Et non, pas du tout. On est vraiment dans des commentaires qui sont sympas. Voilà, on est reparti sur un truc où on a plus envie de déconner et tout. Et puis donc, voilà, ça fait bien plaisir en tout cas. C'est cool. Les résultats, ouais. Les amis, la note pour l'épisode de ce soir, vous avez mis un maximum de 7 sur 10 à 37%. Et puis après, c'est des 8 sur 10. Donc, on va dire qu'on est sur du 7,5. Épisode qui vous a bien plu. La deuxième question, c'était par rapport au switch des aventuriers. Après le confort, est-ce que selon vous, c'était vraiment un avantage ou pas? Et là, c'est un peu plus mitigé, puisqu'on est quasiment du 50-50. On va pas surprendre la place. Ouais, c'est... Oui, donc, on est sur du 50-50. Bon, la troisième question, c'était sur Franck, hein, forcément. Alors, pour vous, Franck, c'est surtout... Alors, la pire excuse pour abandonner, je ne suis pas dedans. C'est ça qui l'a emporté à 66%. Vous avez été quand même bien marqué par la pire brûlure de racine dans la bouche, hein, parce que ça, c'était beau. D'ailleurs, j'ai vu que tu l'avais choisi en miniature, toi aussi. Ah bah oui, non mais... On avait la même quasiment, encore une fois. La question suivante, c'était, qu'est-ce qui serait le plus pénible pour vous sur Koh-Lanta entre être loin de ses proches, dormir par terre, essayer de comprendre les règles de Denis, la faim ou le climat, entre la pluie et le froid. Je dois bien dire que quand même sur cette saison, ils mettent bien l'accent sur la pluie et sur les serpents. C'est vrai que putain, c'est le petit serpent vert là qu'elle a vu. Ouais, mais il est pas dangereux. Hein. Ça va. Non. Ouais. Écoute, je sais pas. Je suis pas spécialiste. Oui, c'est un serpent arboricole, mais le serpent, ça va. Ils vont pas de façon les mettre dans des endroits trop à risque. C'est un serpent arboricole. Là, des fois, il peut y avoir des serpents sur certaines îles parfois qui sont un peu dangereux des fois. Ça arrive. C'est le climat qui arrive en tête à égalité avec la faim. Et je suis assez d'accord. En troisième position, mais c'était pour la déconne, c'était essayer de comprendre les règles de Denis. Dormir par terre, ça c'est vrai que quand même... Moi, du coup, ils sont surélevés. Cette fois-ci, ils sont surélevés. Ouais, mais enfin, c'est pas sur des trucs boltonnés. Non, c'est surélevé. Franchement, en tout cas, ce que j'ai dit et sur Twitter, et je le pense, c'est que ce nouveau concept, cette nouvelle saison, pour l'instant, sur le papier, c'est mieux que tout ce qu'on a eu sur les armes secrètes pour le moment. Pensez-vous qu'il y a une équipe de banni? Alors... Anthony, je pense clairement que ce concept-là, il faut le mettre ensemble à un moment. Doucement. Surtout, ne parlons plus de ça qui fâche. Ouais. S'il y a une île des bannis et qu'il la montre pas, là, c'est incroyable, ouais. Mais je pense pas. Puis on refait jamais deux fois la même règle d'affilée. Ah, t'imagines, Franck, il est sur l'île des abandonnistes et il revient après. Ouais, non, laisse tomber. Les abandons, ça, c'est vrai qu'ils sont pas concernés de toute façon. Donc, Le local, si, le mec qui est venu, la Rupa, ou je sais plus comment il s'appelait, Grappa. Rupa, Rupa, exactement. il leur a fait un arc. Alors, juste. Pourquoi faire? Ouais, pourquoi faire? Pêcher, ils ont dit. Ils ont dit pour pêcher. Vas-y. C'était peut-être pour les singes. Mais moi, je me suis demandé, ils voulaient pas qu'ils chassent les singes. Je me suis vraiment demandé à un moment. Là, ils vont avoir des problèmes avec toutes les associations. Non, parce que. Pêcher comme ça, c'est impossible. Jamais. Sa démo de tir, elle était, vraiment éclatée. Et les autres, ils étaient, oh, il nous a fait un arc. T'es mal à la gueule de l'arc. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Tu vois, c'est juste, je me suis dit, ça, ils vont le poser, ils vont plus jamais s'en servir. Mais c'est clair. Si c'est pas un local qui fait ça, si c'est un mec d'une autre tribu qui vient qui fait ça, il se fout de sa merde. Gueule. Franck, local, il pouvait partir avec, c'était pareil, quoi. Bon, bref. Moi sinon je vous donne rendez-vous comme d'habitude. Premier rendez-vous ce sera jeudi soir, donc pendant l'itinéraire bis, il y aura Pékin Moyen, donc ce sera le quatrième là, qui sera diffusé. Merci pour tous les retours qu'il y a sur Twitter pendant Pékin Moyen, c'est vrai que ça fait plaisir. C'est très court Pékin Moyen, hein, ça dure 3, il y a 3 minutes d'antenne, mais dites-vous bien que c'est quand même super rare qu'une chaîne de télé donne comme ça 3 minutes d'antenne à un mec qui fait des vidéos chez lui. Si vous n'avez pas encore vu Pékin Moyen, allez le regarder parce que c'est sympa, c'est vrai que ça passe un peu tard, si vous
vers minuit, mais voilà, c'est vraiment un moment de liberté où je peux dire à peu près ce que je veux, donc c'est cool. Pour ceux qui veulent pas, ce sera sur YouTube, mais à la fin de la saison. Et donc ça sera Pékin Moyen, donc jeudi soir sur M6 pendant Itinéraire Bis, et sinon bah, la parodie, ce sera vendredi soir, comme d'hab... sur le coup des 18h, 19h, ouais, 18h, je pense. Voilà, en tout cas, merci pour le très très bon accueil que vous avez fait à la première parodie, je me suis éclaté à la faire, c'est vrai que c'est très inspirant, hein, Koh-Lanta, et puis les aventuriers, merci à eux d'être là, de nous inspirer tous, que ce soit Anto ou moi, et voilà, tous ceux qui font des parodies là-dessus, parce que, voilà, il y a des petites pépites là-dedans, et puis, voilà, ça fait du bien de se détendre un petit peu dans... l'actualité qui est quand même bien merdique hein, en ce moment, on va dire ce qui est, c'est pesant. Moi jeudi dernier, j'étais KO devant ma télé, et j'étais là, mais je me disais, mais c'est pas possible, le monde devient complètement fou, qu'est-ce qui se passe là? Donc voilà, c'est important de continuer de rire et de faire rire, ça sauvera pas la planète, mais ça nous détendra un petit peu. Sur ce, je vous embrasse tous, et je vous dis à très bientôt, salut à tous, bye bye.